Qu'est-ce que c'est enrichissant de regarder des débats entre intellectuels? J'ai réussi à joindre mon dentiste. Si je pars tout de suite, il peut me prendre entre deux rendez-vous et soigner ma rage de dents. On peut dire que j'ai de la chance. T'aurais pas de rage de dents si t'avais de la chance. Comme la voiture est au garage, je vais devoir y aller à pied. Elle serait pas au garage si t'avais vraiment de la chance. À tout à l'heure. Restez avec nous. Vous retrouverez la suite de ce débat intellectuel après ce flash info. La police signale un nouveau cambriolage qui aurait été commis par Jack le Sournois. Un voleur qui opère surtout dans le quartier ouest de la ville. Mais on est dans le quartier ouest de la ville! Jack le Sournois est considéré comme extrêmement dangereux. La police conseille à tous les citoyens de bien fermer leurs portes et de rester vigilants. On est Audi, vite, on doit fermer la porte et rester vigilant! Jack le Sournois rentre dans les parages! Jack le Sournois va sans doute tenter de frapper à nouveau. Ah, et voilà. On est en sécurité maintenant! Jack le Sournois, aussi malin soit-il, ne risque pas de mettre son nez ici. Je peux dormir tranquille. Enfin bon, juste au cas où. Et voilà. Hop. Je vais m'assurer qu'il n'y ait plus aucun moyen de s'introduire dans la maison. Comme ça, personne ne peut entrer. Même pas le Père Noël. Ah, t'en fais pas, je les enlèverai avant Noël. Qu'est-ce que vous allez me faire? C'est fini, monsieur Arbuckle. Si vous ne mangez que de la bouillie et de la soupe dans les trois prochains mois, cette rage de dents ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Merci, docteur. Au suivant. Reste tranquille. Non. Qu'est-ce que c'est qui c'est? Oh, monsieur Arbuckle a dû les laisser tomber tout à l'heure. Ne bouge pas, petit. Oh, il finira bien par s'en rendre compte. Il reviendra sans doute les chercher avant ce soir. Viens. Laura? 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 Où es-tu, Laura? Réponds-moi. D'abord, Cindy. Maintenant. Tu peux toujours la chercher. Oh, c'est pas normal. Elle devrait être dans sa chambre. Oh mon Dieu, j'espère qu'elle n'a pas été enlevée dans le mystérieux inconnu. Et s'il était encore dans la maison? T'es cuit, mon pote. C'est pas du danger, j'ai disparu depuis 3 jours. J'aurais dû me méfier quand on a sonné à la porte tout à l'heure. J'ai pensé que c'était Laura, mais elle n'aurait jamais fait ça, puisqu'elle a ses clés. Le mystérieux inconnu voulait juste me faire des... Audi, calme-toi, ce n'est qu'un film. Oh, oh. Ah, c'est marrant, ça. On dirait que t'as avalé des maracas. T'as peur du voleur, c'est ça? Moi, t'as rien à craindre. Dans le quartier, il y a au moins une bonne centaine de maisons. Il n'y a aucune chance que Jack le Sournois choisisse la nôtre. De quoi est-ce qu'on a peur? C'est certainement John. John ne sonnerait pas à la porte, puisqu'il a ses clés. Et tu sais qui n'a pas les clés d'ici? Jack le Sournois, bien sûr. Tu as raison, ça ressemble pas du tout à la voix de John. Tu vois ce que je vois?
Y a plus de doute, c'est pas lui. John n'a pas une joue énorme comme ça, ni ses oreilles de lapin. C'est forcément Jack le Sournois. Attends. Pourquoi il m'ouvre pas? J'ai ma chance à tourner. C'est bon, Audi. Il est parti. Tout va bien. Bon, ben, faut que je me débrouille tout seul. Heureusement, il y a plusieurs portes. Moi? Peur? Pour qui tu me prends? Sache que j'ai peur de rien. Oui, bon, d'accord. La seule chose qui me fait peur, c'est l'idée que Nermal s'installe ici. Mais sinon, à part ça, j'ai vraiment peur de rien. Oh non, il essaie de rentrer par la porte de derrière. Laisse-moi rentrer, voyons, c'est moi. Audi, allons, sois pas si peureux. Nous devons nous comporter en héros. Faire preuve de bravoure et de courage. Et comme c'est toi le chien de garde ici, je te désigne volontaire pour nous défendre. Allez, mon beau chien. Tu n'es qu'un froussard, une poule mouillée. Chien de garde, mon œil, oui, t'as le courage d'une souris. Je suis offensé, je trouve cette remarque extrêmement déplacée. Squeak, mais qu'est-ce que tu fabriques ici à part manger du fromage? Mais je mange du fromage. Tu as déjà vu une souris manger autre chose que du fromage? C'est quoi le problème? Non, qu'est-ce que tu fais ici alors que Jack le Sournois, le cambrioleur, essaie de rentrer dans la maison? Ah, il peut bien rentrer s'il veut. C'est pas mon fromage qui l'intéresse. Squeak, qu'est-ce que je dois faire? Une seule solution, le piège à souris. Le piège à souris? Mais où est-ce que je vais trouver un piège à souris? Derrière le réfrigérateur. Il y en a au moins une vingtaine. Piège à souris? Bonne idée. Fin de ses boucans. Il est pas très discret pour un cambrioleur. Qu'est-ce qui t'amuse? Ça me fait toujours rire quand un humain se fait prendre dans un de ses engins. Malheureusement, je crois qu'il en faudra un peu plus pour qu'il s'en aille. Ça va pas se passer comme ça. Tiens, qu'est-ce que je disais? Mais pourquoi tu cours comme ça? Il va essayer de passer par une fenêtre! Mais comment on peut l'arrêter? Un autre piège à souris? J'ai mieux. John l'avait mis au grenier parce que il est trop puissant. Pas eu. Il revient à la charge. On viendra jamais à bout de Jack le Sournois de cette manière. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je vais réunir une équipe d'experts. Tout un bataillon d'agents secrets, ingénieux et intrépides. Mais un chien et une souris, ça suffirait pas? Oui, on fera avec. Bon travail. Soldats. Et je dis soldats même si vous n'êtes qu'un chien et une souris. L'ennemi est à notre porte. Pour l'empêcher de pénétrer notre territoire, il nous faut un plan de bataille. Et tu en as un? Ouais, je crois. Bon, alors, voilà ce que nous allons faire. Patin, roulette en place, Garfield. Ainsi. Tu t'en sors avec le coffre, Audi? Ainsi. C'est bon, laissez entrer l'oiseau dans la cage. D'accord, c'est parti. Si ça continue comme ça, je vais devoir passer par la cheminée. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Non, mais peu importe. Tout ce que je veux, c'est aller me coucher. Tadam!
Laissez-moi sortir. On a réussi. On a attrapé Jack le sournois. Il faut rester modeste, ce n'est que le bandit le plus recherché. Laissez-moi sortir de là. Mais là, en sourdine, Jack le sournois, hors de question qu'on te libère. Garfield, c'est moi, John. Silence. Enfin, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non, dis, non, on ne dirait pas du tout John. Je connais la voix de John. Garfield. Ça ressemble pas du tout à... John! Oh, ça va les dents? Oh, quelle journée, mes aïeux! Je vais me coucher direct. On peut être fiers de nous, on a bien gardé la maison. Si jamais Jack le sournois essaie d'entrer ici, on saura comment le recevoir, pas vrai? Sauf bien sûr s'il est déjà passé par là pendant qu'on était à la cave. Cette horrible créature est toute proche. Elle peut se trouver n'importe où, surgir à n'importe quel moment. Elle ne peut pas savoir. Elle pourrait très bien franchir cette porte maintenant. Franchir la porte comme ça? Il n'a pas tort, Squeak. Une créature horrible pourrait se trouver dans le jardin et franchir cette porte à tout moment. Regardez ça! Un accordéon! Hein? Un accordéon? Oui, en fait, je l'ai trouvé en fouillant dans le grenier de mes parents, mon vieil accordéon! Ne me dites pas qu'il va voir s'il n'a pas perdu la main! Et je voulais voir si je n'avais pas perdu la main! J'en étais sûr! Je peux peut-être encore m'échapper discrètement! Je vais me cacher dans un autre pays! Non! Sur un autre continent! Une autre planète! Une autre galaxie! J'y survivrai pas! Sans vouloir me vanter, à l'époque, j'étais plutôt doué. Ah oui, quand ça? Au Moyen-Âge ou à la préhistoire? Je me demande où je pourrais travailler mes gammes. Pourquoi pas le pôle sud? C'est charmant cette saison. Je me demande si ça fait le même effet à Squeak. Sans doute. Ah ouais? Oh, il a pas regardé mes oncles. Fais quelque chose, Garfield. Arrête ce bruit affreux. Si seulement je pouvais. Une étude a prouvé que l'accordéon désaccordé est deuxième sur la liste des instruments les moins appréciés au monde. Et le premier? Ah, la cornemuse trouée. Oh, je vois. J'ai comme l'impression que John a trouvé où jouer. Enfin, si on peut appeler ça jouer. Ce sera toujours trop près, de toute façon. Mais qu'est-ce qui lui a pris de rejouer de ce truc? Aucune idée. Faut avoir du vide entre les oreilles pour apprécier cette cacophonie. Ben voilà, tel chien, tel maître. Garfield, qu'est-ce qu'on peut faire? Attends, j'ai une idée. Odie, c'est super. Je vais m'exercer jusqu'à ce que je joue comme un pro. Eh oh, l'homme accordéon, tu as une souris chez toi. Viens me chercher. Une souris? Il y a encore une souris chez moi. Pour vous servir.
mourir. Attrape-la, Audi, vite. Bon chien. Attrape cette souris. Attrape-la. Je suis pile à l'heure. Dans la bête et bon débarras l'accordéon. Allez, dernier arrêt avant le dîner. Où est-ce qu'on mange? Où tu veux. Oh, la douce odeur des poubelles. Ça m'ouvre toujours l'appétit. Tiens, celle-là, elle est vide. On dirait que quelqu'un a acheté un accordéon au parfait état. J'ai cru avec le reste des ordures. J'en jouais quand j'étais jeune. J'ai eu mon petit succès au collège. Et puis j'ai arrêté quand j'ai commencé ma carrière d'éboueur. Je te vois venir, Pierrot. Tu trimbales pas ça dans mon camion à ordures. Tu trouves pas que cette souris ressemblait à celle que Garfield a chassée la semaine dernière? Et à celle d'il y a 15 jours? Et aussi à celle d'il... Audi, mon accordéon! J'avais posé là, il a disparu! Hein? Mais où est-ce qu'il a bien pu passer? Eh, hey, monsieur! Oui? Je crois que c'est à vous, cette chose! Faut pas jeter ça dans les poubelles, hein! Nous ne prenons pas les produits dangereux! Mais comment il a atterri là-bas? Tu entends ça, Squeak? Non, je n'entends rien du tout. Exactement. Et c'est ça qui est merveilleux. Je crois que je vais faire un petit somme. Oui, après cette course avec Cody, moi aussi j'ai besoin de dormir. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. Fini l'accordéon, plus jamais, jamais, jamais. Je vais te jouer une berceuse, Garfield. Garfield! Ça marche! Oh là 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 là, qu'est-ce que je dois faire? Appeler les pompiers ou bien le vétérinaire? Attends, il paraît que la musique aide à guérir les malades. Je vais lui jouer un petit air. Tu veux m'achever, c'est ça? On dirait que ça va mieux. Mais il faut rester prudent. Je vais chercher la trousse de premier soin. Je dois me débarrasser de ce truc immédiatement. Je vais le mettre dans un endroit où on ne le retrouvera jamais plus. Mais où est passé Garfield? Et où est mon accordéon? Il faut que je retrouve Garfield et mon accordéon. Je pourrais peut-être l'envoyer dans un pays lointain. Ah non, c'est comme ça qu'on déclenche les guerres. Je sais ce que je vais en faire. Dieu a jamais saleté l'accordéon. Ma conscience me dit que c'est mal, mais mes oreilles me disent... Garfield, on refuse de subir plus longtemps ce rafut. Elle m'a tout. Mmh. T'as pas lu le panneau? Alors, il est interdit de jeter dans le lac tout déchet toxique, substance chimique, poison, matière dangereuse, en particulier les accordéons. Tu veux rendre les poissons sourds, c'est ça? Hein? Je suis maudit. J'ai plus qu'à trouver un autre coin pour le jeter. Pour se débarrasser de quelque chose, c'est de faire croire à quelqu'un qu'il a de la valeur. Oh, mais regardez donc le magnifique cadeau que j'ai reçu. Aujourd'hui, je suis d'humeur généreuse. Oh, merci. De rien. Libre, enfin, libre, comme la vie est belle sans accordéon. Hé, hey, chat, c'est pas mon anniversaire que je sache. Alors tu reprends cette horreur et si tu veux t'en débarrasser, t'as qu'à aller le jeter dans le lac. C'est ma dernière chance.
maintenant, je suis sûr de plus jamais voir cet instrument de malheur. D'abord, mon accordéon qui disparaît. Ouais. Et maintenant, Odie qui est parti, je ne sais où. Que fait-il, bon sang? Et où est-il? Non, c'est pas possible. Ça doit juste être un cauchemar, c'est ça. Oh, je vais me rendormir. C'est rien. C'est lui. C'est le cri de l'accordéon de John. Je l'en connais, c'est lui. Il revient me hanter. Il me dit que j'ai essayé de le faire disparaître. C'est un cauchemar. Je vais me réveiller. Ça vient de la cuisine. Je vais quand même aller jeter un œil. Oh, c'est son fantôme. C'est impossible, je t'ai enterré, tu peux pas être là. Qu'est-ce que je... Odie, te voilà. Avec mon accordéon. Garfield? C'est l'accordéon qui a commencé. Il est venu pour se venger. Viens, Garfield. On va chez le vétérinaire. Courage. Tu devrais être sur pied dans deux petites semaines. Oh, je sais, Squeak. Ce qui me déprime, c'est que John a récupéré son accordéon. C'est sans espoir. Relax, Garfield. Tout à l'heure, j'ai entendu John dire qu'il ne pouvait plus en jouer à cause de la terre qui s'est coincée dedans, je crois bien. Sans blague. C'est génial. C'est la meilleure nouvelle de l'année. Garfield, je suis vraiment désolé. Je voulais te jouer un petit air d'accordéon pour te distraire. Malheureusement, le mien a rendu son dernier souffle. Oh, bonne nouvelle. C'est pas moi qui vais le regretter. Je voulais en acheter un autre, sauf que... ils étaient tous vraiment trop chers. Oh, ça va être difficile, mais je vais me faire une raison. Mais tu as de la chance. Il leur restait cet article. Oh non, pas ça. Non, non. Arrête. Non, pitié. Je préférais encore l'accordéon. Je t'en supplie, stop. T'as pas l'air assez furieux. Je suis bien plus impatient que ça. Pour être honnête, c'est moi qui devrais faire les 100 pas. Mais c'est moins fatigant quand c'est Odie qui s'y colle. John a commandé cette pizza il y a au moins 12 minutes. Ah, je n'en peux plus. Je meurs de faim. Ah, même si elle arrivait maintenant, j'aurais plus la force d'aller ouvrir la porte. J'y vais. Ah, voilà ma pizza. Non, c'est ma pizza. Toi, t'es là pour payer. Attention, chalement. Ça vous arrive de nourrir ce chat? Oh, plus de 10 fois par jour. Oh, les pizzas de chez Vito. Ce sont les meilleures du monde. Blanc.
recyclage. C'est la pire pizza que j'ai jamais mangée. Vraiment ignoble. Aucun goût, c'était atroce. Vito, tu m'as trahi. Quoi? Mamma mini pizza palace. Ah oui, je sais, c'est pas une pizza de chez Vito, mais au moins, j'avais des réductions dans cette pizzeria. Ça t'ennuie pas, Adi? D'accord, j'ai l'impression que si, ça t'ennuie. Ma, monsieur Arbuckle, quel plaisir de vous voir! D'ailleurs, c'est un plaisir de voir enfin un client. Pourquoi les affaires vont mal, Vito? Bah, les affaires vont très mal depuis l'ouverture de cette nouvelle pizzeria juste à côté. Regardez-moi cette horreur! Mamma mini pizza palace! Mamma mini, celle qui a fait cette abominable pizza? Qui peut bien vouloir de ces pizzas en caoutchouc? Ils offrent des bons de réduction, organisent des concours! Ils m'ont ruiné, ils m'ont pris toute ma clientèle! Tout à fait! Alors pourquoi tu me vends pas ton restaurant que je puisse développer mon affaire? Jamais! Vous êtes... Exact. Mamma Mini, c'est moi. Tenez, voilà des réductions. 12 pizzas pour le prix d'une. Hé, 12 pizzas, ça vaut vraiment le coup. Hein? Même si elles sont immangeables. Et elles sont absolument immangeables, pas de doute là-dessus. Attendez, vite, on va vous montrer ce que c'est qu'une vraie pizza. La pâte pétrie à la main, je la goûte moi-même pour être sûr de la qualité. Et pour finir, je la lance et je la fais tourner toujours à la main. Et j'ai mis la sauce, beaucoup de sauce. Et pour le fromage, encore plus de fromage. Et maintenant, j'ajoute la saucisse. Et les pépéros, et les oignons, et les champignons, et les anchois. D'accord, pas d'anchois. C'est bien joli tout ça, mais venez donc voir avec moi. Maintenant, je vais vous montrer comment nous travaillons d'une manière moderne et rentable. C'est beaucoup mieux de tout faire faire par des machines. Voici le Pizzatron 7000. Ce petit bijou est capable de sortir 10 pizzas à la minute. Cette chose fait des pizzas? Des pizzas faites par une machine, mais c'est inhumain! C'est vulgaire! C'est ridicule! Pizza terminée. Et voilà le travail, une pizza toute chaude. Et vous appelez ça une pizza? Une vraie pizza, c'est délicat, fragile, magique. Je vais quand même goûter. Et Garfield, tu en veux? Non, non, merci, ce monsieur et moi, nous n'avons vraiment pas la même conception de la pizza. Je voudrais une pizza avec de tout, s'il vous plaît. Je vais vous montrer les miracles de la technologie. Une pizza à tout. Tout de suite, chef. Mais... Oh! Est-ce que j'ai l'air d'une boulette de pâte? Pas la peine de répondre. Allez! Oh, ah non, pas la pâte dans la pâte! Étrange, cette pizza a un goût de vieux carton. Je ne pense pas. C'est la pizza spéciale qui a un goût de carton. Normalement, celle-ci a le goût de pneu. Fromage fondu. Anchois. Oh non, pas d'anchois. Alors de l'ananas. Faut voir. Attention, 5, 4, 3, 2. Pizza terminée. Oh. Et voilà, monsieur. Quand j'ai dit que je voulais de tout sur ma pizza, je ne pensais pas aux poils de chat. Vous avez de la chance d'être tombé sur moi plutôt que sur une des infâmes pizzas de ce type. Désolé, Mamma Mini, je ne prendrai plus de pizza chez vous. Ah oui, même si je vous offre, disons, des super promos. Des super promos? Oui, et si ça vous dit, je pourrais même vous payer pour en manger. Me payer pour manger? Payer manger? Ah oui, 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 oui. Tu vois, Vito, ça marche à tous les coups. Jamais tu n'arriveras à rivaliser avec ça. Alors, c'est bon, tu me la vends, ta boutique, je démolis tout et j'agrandis. Pizza Vito, désolé, cher client, mais nous fermons. Eddy Gourmand à l'appareil, connu dans le monde entier pour ses critiques gastronomiques. C'est moi que vous voyez tous les jours dans votre poste. Bon voilà, j'ai décidé de goûter vos pizzas et si je les aime, j'aurai le plaisir de les recommander aux millions de téléspectateurs qui regardent mon émission à la télévision. Recommander mes pizzas à des millions de téléspectateurs? Millions avec plein de zéros. Alors, je veux une pizza poivron mozzarella chez moi au 747 Allée des Délices dans 30 minutes maxi, sinon tant pis. C'est la chance de ma vie! Eddy Gourmand, il veut goûter mes pizzas! Eddy Gourmand? Mais son émission a une audience énorme! En plus, il a bon goût! Toi, le gros plan de soupe, tu dégages, hein? Quand Eddy Gourmand dira au monde entier ce que valent mes pizzas, les foules se presseront à ma porte! Eh bien, il ne me reste plus qu'à faire en sorte que ça n'arrive jamais.
Mais Vito, je n'y connais rien en livraison de pizza. Mon camion, il est en panne et la pizza doit être à cette adresse dans exactement... Ah, 12 minutes! Dépêchez-vous! Ah. Hé, hey, attendez la star de l'émission! Reste ici! Ma vie en dépend! Oublie ça, on doit empêcher la livraison d'une autre pizza. Mamma mia! Mamma Mini va essayer d'empêcher la livraison! Il faut que je l'arrête! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Si je ne vais pas 747 aller des délices tout de suite, il n'y aura plus jamais de pizza Vito! Conseil! Grazie! Garfield! Je n'ai jamais entendu parler de cette rue. Il faut que tu la trouves sur la carte, Garfield. Ça va pas être facile avec la moitié d'une carte du Portugal. Hein? Il essaie de nous faire sortir de la route! C'est Mamma Mini! Il veut nous empêcher de livrer la pizza de Vito! Sans blague! Assez plaisanté. Donnez-moi cette pizza. Quelle pizza? Vous avez vu une pizza? Ne faites pas le malin. Vous avez à peu près 3 secondes pour me donner cette pizza. Ce type ne rigole pas. À moi de jouer. Mamma Mini, tu sais pas ce qui t'attend. Écoutez, on pourrait peut-être oublier cette histoire de pizza et commander un plat chinois à la place. Oh, maman, ce serait pas à vous, là, le camion de livraison de pizza, par hasard? Le camion! En route, nous avons une pizza à livrer. Collez, collez plus près! Oh, ils sont juste derrière nous! Ça vient de chez Mamma Mini et elles sont bonnes à une seule chose. Elles font d'excellents projectiles. Tu conduis n'importe comment! Il ne voit plus rien, le pare-brise est couvert de pizza aux aubergines. Plus vite! Bien joué, bravo Garfield! Rien ne peut nous arrêter à présent. Oh, c'est fichu. On n'a plus qu'une minute pour livrer la pizza au 747 Allée des Délices. Ça tombe bien. Nous sommes au 747 Allée des Délices. Incroyable. Vite, donne-moi la pizza. Attends, John, tu... Pile à l'heure. Grazie mille. Prego. Eh bien, il était temps. 10 secondes de plus et vous aviez droit à une mauvaise critique. Et tenez, goûtez, vous ne serez pas dessous. Oh, mais c'est la pire pizza que j'ai mangée de toute ma vie. Ma pizza? La pire de toutes. Tenez, goûtez ça à la place. Mamma Mini Pizza Palace? Donc ce n'était pas une pizza de chez Vito? Oh, je préfère ça, c'est une vraie pizza! Oh, délicieux! C'est la meilleure pizza que j'ai jamais mangée! Merci le chat, je crois que tu en as mérité une part. Ah, quand même, j'ai failli attendre. Alors, mes très chers téléspectateurs, pour déguster la meilleure pizza de l'univers, allez chez Vito. Et pour la pire pizza de la galaxie, vous pouvez toujours essayer celle de Mamma Mini. Et Eddie Gourmand vous dit à demain. J'adore Eddie Gourmand. À chaque rediffusion de sa chronique, j'ai des centaines de commandes. C'est ce que je vois. Peut-être que je peux transformer la machine à pizza en machine à fabriquer les pneus. C'est à peu près le même goût. Merci tout le monde, je voudrais tous vous remercier pour votre aide. Demandez autant de pizzas que vous le désirez. Vous êtes mes invités. Toutes les pizzas qu'on veut, gratuites.
vraiment avaler tout ça? Oh oui. Sauf s'il tombe sur une pizza aux anchois. Réveille de malheur. Et ne reviens jamais sonner ici où tu finiras en pièces détachées. Bonjour, Garfield. Bonjour, Squeak. Les réveils de matin devraient être interdits à la vente. Salut, Garfield. Ah, bonjour, Squeak. D'abord réveil, ensuite matin. Deux mots que je déteste. Pourquoi pas sommeil midi ou sieste mélodieuse? Salut, salut, Garfield. Salut, salut, Squeak. Il déraille pas un peu, Squeak? C'est la troisième fois qu'il me dit bonjour. Ben, j'en étais où? J'ai une de ses fins. Encore un des derniers essais. Hé, il y a des souris et des âmes ce soir à la télé. On dirait que c'est la fête des souris ici. Ouf, après tout, c'est leur affaire. Mais là, ça devient mon affaire. Squeak! Qui m'a appelé? Tu vois quoi dans ma gamelle? Rien. Oui, et c'est bien le problème. Ah bon? Écoute, Garfield, on est amis depuis longtemps. Sois sympa, je peux tout t'expliquer. On ne touche pas à ma gamelle. Mais c'est ma famille, Garfield. Ce sont tous des oncles, des cousins, des neveux. Ils ont tout perdu. Ils vivaient si heureux dans cette vieille maison du coin de la rue qui a été démolie. On ne touche pas à ma gamelle. Je ne pouvais quand même pas les mettre dehors. Sans abri, sous la neige, par ce vent glacé. Il fait 33 degrés à l'ombre. Tu connais la règle, on ne touche pas à ma gamelle. Tu me serres un peu fort et je t'assure qu'ils vont se tenir tranquilles. Ils peuvent même être utiles et pourquoi pas, tiens, être tes serviteurs. Mes serviteurs? Uniquement à mon service? Dorénavant, je prendrai mes raisins sans la peau. Sans la peau? Oui, et sans pépins aussi. Et pépinés? Oh! La vie est dure parfois. Combien de temps je pourrais tenir comme ça? Oh, je ne sais pas, peut-être 20, 30 ans. Plutôt 20 ou 30 petites secondes. Vite, tous aux abris! Couvre-feu! Garfield, on est rentrés! Malheureusement. C'est quoi le problème? Hey. Si John découvre que la maison est pleine de souris, je suis cuit. Ok, pigé. Ah, tu es là, Garfield. On dirait que tout s'est bien passé pendant mon absence. Ah oui, tout s'est bien passé. Ah, oh, dis, remballe cette ignoble langue baveuse ou je t'en fais un foulard. Tu sais, ça me rassure que mon chat soit à la maison quand je suis sorti. Et moi, j'adore quand t'es pas là. C'est bon de savoir la maison à l'abri des voleurs, des colporteurs, des rongeurs, surtout des souris. Non, Audi, ça ne sent pas du tout la souris. Tu dois être victime d'une hallucination olfactive.
Fais-toi réviser la truffe. En promenant Audi, je me suis dit vivement que je sois chez moi. Je vais m'asseoir et bouquiner tranquillement dans mon fauteuil. Je sais que ma maison est garantie sans souris. Je peux avoir une vie sereine sans craindre que des souris envahissent mon petit paradis. Ah, je reviens. J'ai un petit creux, moi. C'est pas supportable là-dessous, un peu plus chaud. Au lieu de cuisiner, pourquoi ne pas commander des lasagnes chez Luigi avec Garfield? Je rêve ou c'est une souris? Une souris? Quelle souris? Dans ta patte. Ce ne serait pas une souris. Quoi, ça? Oh, qui est un jouet, d'accord? Oh non, non, c'est qu'un petit jouet pour ça. Ça fait même quick, quick. Oh, c'est juste un jouet pour chat qui fait quick-quick quand on appuie dessus. Quick, quick. Ouais, pas très réaliste. Bon, tant que c'est pas une vraie. Ah, oh, oh. Je l'ai. Raté. Garfield a dit de rester caché. Garfield, c'est toi qui as fini mes biscuits préférés? Oh, on ferait mieux de filer. Comme si je ne te nourrissais pas assez. Il y a des souris dans le placard. Oh non, il y a des souris dans le tiroir. C'est privé. Il y en a même dans mon évier. Eh ben, faut pas vous gêner. Vous voyez pas que je suis dans mon bain, non? Garfield! On m'appelle? Oh, mais il y a des souris partout. Mais comment est-ce possible? C'est incroyable. Oh, j'entends qu'on a besoin de moi là-bas aussi. Garfield, c'est par ici que ça se passe. J'avais trouvé ce site il y a quelques semaines, au cas où. La société s'appelle Ratator Express. Ratator Express? Viens voir par ici. Mais si on profitait plutôt d'être connecté pour commander une pizza, tu disais que t'avais faim. Des rongeurs dans votre intérieur? N'attendez pas. Contactez Ratator Express. Une de nos équipes de spécialistes se présentera à toute heure chez vous pour chasser l'envahisseur. Le rongeur qui survivra à Ratator Express n'existe pas. Il pourra toujours courir, ramper, supplier. Il n'échappera pas à nos techniciens souricides. Ratator Express, la terreur des rongeurs. Cliquez ici pour une intervention dans l'heure. Je ne vais pas cliquer. Enfin, pas maintenant. Parce que c'est cher et qu'il y a un chat à la maison pour chasser les souris. Et ce chat, c'est toi. Alors, tu vas me débarrasser de toutes ces souris. Jusqu'à la dernière, compris? Audi? Je vais prendre l'air. Viens, Audi. Mais si quand je reviens, il reste une seule souris, je n'hésiterai pas à appeler Ratator Express. Et je déduirai la facture du budget nourriture pour chat. Ce qui veut dire adieu aux lasagnes et pour un bon bout de temps. Un bon bout de temps? Plus de lasagnes? Mais c'est m'ôter mon unique raison de vivre. Hé, les gars, non, faut partir maintenant. Hé, oh, les souris. Youhou! Appel à toutes les souris, c'est l'heure de décamper. Squeak! Quoi? Ils sont partis, non? On peut profiter de la maison. Non. Vous devez partir. Tous, tout de suite, là, maintenant. Pas question. On est à peine installés. On n'a même pas exploré toutes les pièces. Oui! Debout. Tu essayes de me faire peur, là. Bah, à quoi tous les chats font ça? C'est les autres chats qui mangent les souris. Tu comptes manger des souris, Garfield? Arrête, t'as rien d'y penser. Ah, tu vois, on n'a vraiment aucune raison de s'en aller. Inutile d'insister. Je peux pas toucher une souris, c'est génétique. Qu'est-ce que je vais devenir des années sans lasagne si je trouve pas une solution rapidement? Ratator Express, j'en ai encore le poil tout hérissé de leur horrible spot publicitaire. Je sais.
Viens, Squeak, j'ai quelque chose à te montrer. J'allais commencer mon sandwich. Plus tard, allez, il y a plus important. Ratator Express, la terreur des rongeurs. Cliquez ici pour une intervention dans l'heure. C'est affreux. Tu peux pas laisser faire ça. J'aimerais t'aider. Tu me connais, mais John n'hésitera pas, à moins que... Que quoi? À moins que vous ne suiviez tous mon plan. D'accord, tout ce que tu voudras. Rassemble le conseil de famille. On va faire une répétition avant le retour de John. Garfield, c'est nous. Tu t'es occupé des souris? Je vois. J'ai compris. J'appelle Ratator Express. J'en ai assez! Et tant pis pour toi, Garfield, je t'avais prévenu! Garfield, tu as assuré avec ces souris. Oui, c'est un don, c'est certain. Là, tu mérites une vraie récompense. Mais qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir? Oh? Chez Luigi, le roi de la lasagne, livraison à domicile. Pourquoi pas, Garfield? Je te commande une bonne barquette bien fumante. Pardon? Oh, dis, tu me refais ça une seule fois et tu finis dans le sac avec les autres. Voilà, voilà! Garfield, les lasagnes sont arrivées! Garfield! Allez vite, tassez-vous au fond! Merci pour tout, Garfield! Mais je t'en prie! Et surtout, amusez-vous bien chez Luigi! Tu parles! Lasagne et fromage à volonté! À la prochaine! Lasagne à volonté? À volonté? Garfield! Tes lasagnes sont là! Bizarre. D'habitude, il est là en 3 secondes. Luigi! Luigi! Où es-tu? Oh, te voilà, Luigi, j'ai fait quelque chose! Il faut appeler le dernier pour me débarrasser de toutes ces souris! Mes souris, ce n'est rien! C'est pour me débarrasser de lui que je vais avoir besoin d'un coup de main! Je crois que je vais bien me plaire ici. Me réveiller est une faute, un délit, un crime qui mérite 15 ans de prison dans une cellule. Sans fenêtre, sans lit et sans oreiller. Bon, d'accord, avec une fenêtre. Bon. Allons voir qui est assez idiot pour ne pas faire la sieste à une heure pareille. Oh, c'est toi, Harry? Qu'est-ce que tu cherches, dis-moi? Eh ben, des restes, pourquoi? Dans cette maison, il n'y a jamais de restes. Ouais, visiblement. Ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est de manger un bon petit oiseau bien dodu dans ce genre-là, tu vois. Hein? Il a l'air appétissant, hein? Mais je parie que ça fait un bon moment que tu le guettes, celui-là, je me trompe? Ouais, tu te trompes. Je n'ai jamais chassé d'oiseau plus petit qu'une dinde farcie au pruneau avec des pommes de terre, des marrons et une sauce au beurre comme celle que fait la mère de John. Comment ça, tu chasses pas les oiseaux? Oh, je laissais tomber. Trop de boulot, trop de plumes, pas assez à manger dessus, non. Alors dans ce cas, ça te dérange pas si... Fais comme chez toi. Petit, petit, me voilà. D'accord,
t'as gagné, l'oiseau. Mais la prochaine fois, je t'aurai. Il y aura peut-être quelques restes dans les poubelles de la rue d'à côté. Oh, chasser les oiseaux. C'était sympa. Mais il est hors de question que je m'y remette. C'est fini pour moi tout ça maintenant. Non, c'est pas fini. Je vais chasser les oiseaux. On n'en rit pas. Si vous étiez un chat, vous comprendriez. Attention, la chasse est ouverte. Il va dans le jardin des voisins, mais il ne m'échappera pas. Bien par la voir. Je vais tout simplement attendre qu'elle revienne. Et là, je l'attraperai. Faudra bien qu'elle revienne. Ses œufs sont ici. Le barbecue dans le garage, Muriel. Comme vous voyez, je suis toujours là à attendre le retour de mon dîner. Elle est vraiment marrante, la BD de Garfield aujourd'hui. Ah, il suffit d'être patient. Ouah, peu importe le temps que ça prendra. Elle devrait pas laisser ses œufs comme ça sans surveillance. Surtout quand il y a un chat comme moi dans le coin. Qu'est-ce qui cloche chez cette maman oiseau, hein? Elle laisse ses œufs sans surveillance toute la journée. Oh, il fait fusquer. Ça ne doit pas être très bon pour eux, ça. Après tout, c'est pas mon problème. Je la chasserai demain quand elle sera revenue. Elle va finir par revenir. Elle va revenir s'occuper de ses petits œufs tout mignons. La mésange femelle pond entre 2 et 5 œufs de couleur bleu clair. Salut Garfield, je suis en train de regarder un documentaire passionnant. Ça concerne la nourriture pour chats? C'est sur les oiseaux et leurs œufs. L'incubation, soit la période durant laquelle la maman couvre les œufs pour les maintenir au chaud, dure environ 2 semaines. Il ne fait pas assez chaud en haut de l'arbre. Si la mère ne maintient pas les œufs à une certaine température, les œufs sont perdus. Perdus? Oh. Non, mon petit Garfield, tu l'as dit toi-même, ce n'est pas ton problème. Mon problème, perdu, n'importe quoi. Ah, je sens que je vais faire de beaux rêves cette nuit. Perdu? Et je vais juste m'assurer que la maman est revenue couver ses œufs. Bah, elle est forcément revenue. On dirait que non. Alors voyons... Oh, ça va pas du tout. Ah non, faut faire quelque chose. Hein? Peut-être qu'un cache-nez ou un radiateur électrique ferait l'affaire. Par contre, je sais pas où on pourrait le brancher. Oui, je sais à quoi vous pensez. D'accord, mais vous dites rien. Et voilà, je vais vous tenir au chaud. Mais c'est juste le temps que votre maman revienne, entendu? Elle sera là d'une minute à l'autre. D'une minute à l'autre. Oh.
voilà, en voilà une sortie. Et en voilà un autre. Et encore un autre. Ou une peut-être. Oh, je suis maman. Qu'est-ce que je raconte? Non, je ne suis pas votre maman. Oh. Ça suffit. Je ne suis pas votre maman, je suis un chat, je vous jure, sans blague, tenez, écoutez ça. Vous voyez, hein? Bon, ben je vous laisse. Ça me plaît pas trop d'abandonner ces petits. Mais j'y connais rien, moi, question oisillon, c'est vrai. Non, pas maman, mais enfin, vous trouvez qu'on se ressemble? Non, mais franchement... Ce serait pas l'heure de la sieste, par hasard? C'est toujours l'heure de la sieste. Ah, est-ce qu'ils sont mignons? Mais bon, je suis pas fait pour aller dormir. Voilà. Mais vous pouvez pas rester là. Et puis on ne se baigne pas dans mon bol d'abord. C'est moi qui commande ici. Vous ne pouvez pas vivre avec moi. Et arrêtez de m'appeler maman. Au nid maintenant. Vous ne bougez plus d'ici. Est-ce que c'est bien compris? Ne me regardez pas comme ça. Je peux pas m'occuper de vous. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous apprenne à voler. Moi, je vole pas. Vous avez besoin de quelqu'un qui mange des asticots comme vous. Et là, c'est trop me demander. Je vais plus les regarder. Votre vraie mère va sûrement revenir de toute façon. Allez, à la prochaine, les petits oiseaux. Ça va aller pour vous. Et si la maman ne revenait jamais? Ils vont avoir froid. Ils vont avoir faim. Et ils vont se faire manger par Harry. Mes pépés. Bon, on se calme les piafs. Vous allez me couper l'appétit. Hey, donne-moi ces oiseaux. C'est moi qui les ai vus en premier. Je te répète, donne-moi ces oiseaux. C'est mon repas. Rends-moi ça tout de suite. Tenez bon, mes bébés chéris. Si Harry nous rattrape, vous finirez en sandwich. Voleur, c'est mon sandwich aux oiseaux. Tu m'échapperas pas, Garfield. Je cours plus vite et je suis plus fort. Viens ici, Garfield. C'est vrai qu'il court vite. Il faut que je trouve une cachette. C'est vraiment pas juste, hein? Je mange pas dans ta gamelle, que je sache! Oh, grosse erreur! Je suis coincé! Grosse erreur, t'es coincé! Je vous l'avais dit. Hey, non, stop! Ne leur fais pas de mal! Ni à moi, d'ailleurs! Et surtout pas à moi! Enfin l'heure du déjeuner! Non! Laisse-moi pas ton râle. Arrête. Je mangerai plus d'oiseaux. Plus d'oiseaux de toute ma vie, c'est fini. Plus jamais d'oiseaux. Non, je suis un ami. C'est moi qui les ai sauvés. Non, les petits, votre maman, c'est elle. Salut, boule de plume. À bientôt. D'accord, j'ai sauvé des oiseaux. Mais ça reste entre nous. Attention, je vous ai à l'œil.